Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre quickie. On revient à Dragon Ball. Je sais que Genki a annoncé qu'il ferait l'unboxing d'un Goku sur un dragon. Je pense qu'on a le même fournisseur. Et que notre fournisseur en avait seulement deux. Et j'ai pris une des deux figurines qu'il avait. D'un Goku sur un dragon, donc il faudrait fortement que ce soit la même figurine. Pas de soucis, Genki. On n'est pas là pour faire de la compétition. Je vais référer mes viewers à ta chaîne pour qu'ils puissent voir aussi ton unboxing. Voir la même figurine unboxée par deux personnes différentes. Sûrement même opinion, par contre avec deux manières différentes de faire. Donc ne tardons plus, on est là pour un quickie. C'est un desktop Real McCoy de Sangoku sur un dragon. C'est le repaint numéro 2. Moi je l'aime beaucoup plus que l'original, que le premier. Donc ne tardons plus. Voilà, donc ça c'est la base. Nous avons la figurine en un seul morceau. Voilà, un petit bâton. Et voilà pour la figurine, facile à monter. Vous verrez le logo est de retour de Cellulorama. Incroyable le nombre de détails dans cette figurine. Waouh! Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà, c'était un autre quickie. N'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires, me dire qu'est-ce que vous pensez de cette figurine. Et je vous annonce que bientôt, j'essaie de monter le top 10. Donc, ça devrait s'en venir. Je peux pas vous donner de date encore. Je vais essayer de voir si je peux le faire pour un quickie. Peut-être en plusieurs parties. Mais ça s'en vient. Sinon, autre chose, nous avons déjà atteint les 150 abonnés. Il me semble qu'il y a comme un mois ou deux. Je venais d'atteindre, j'étais même pas à 100 abonnés. Maintenant, nous sommes à 150. Merci beaucoup. Je me demande, est-ce que vous voulez que je fasse un FAQ? Vous me posez des questions, je les réponds pour les 200 abonnés. Ou non, parce que j'ai déjà fait plusieurs tags sur la chaîne. Donc, j'imagine que bah, plusieurs, je pense j'en ai fait deux, j'ai répondu à plusieurs questions, mais est-ce que ça vous intéresserait quand même qu'on fasse un FAQ pour les 200 abonnés? Si oui, dites-moi-le dans les commentaires, sinon dites-moi-le aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous aimez ce que vous voyez, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine!